écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sur Alger Chaîne 3, place aux infos. Une édition préparée et présentée par Nelmen Mouzil. Bonjour Nelmen. Bonjour Sabine, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité de ce mardi 2 avril, les dates du recensement général de l'agriculture dévoilées. L'opération débutera le 17 avril et se poursuivra jusqu'au 19 juillet. Elle permet d'avoir une image réelle du secteur agricole. Les détails dans cette édition. Les opérateurs appelés à déstocker de la pomme de terre pour stabiliser le marché et éviter des fluctuations des prix à l'approche de l'Eid. Et les familles nombreuses à circoncire leurs enfants en cette période. Les médecins rappellent l'impératif de le faire en milieu médical. Exemple à Sougaras dans ce journal. L'actualité, c'est aussi Gaza. 6 Palestiniens sont tombés en martyr ce matin à Rafah. L'entité sioniste poursuit son entreprise génocidaire, déterminée à exterminer les Gazaouis par tous les moyens. L'entité sioniste qui veut également une escalade dans la région. L'ambassade d'Iran en Syrie ciblée par des frappes. 11 personnes ont été tuées. L'Iran promet de riposter. Éclairage et analyse dans le journal. Et au Sénégal, le nouveau président prête serment aujourd'hui. Plusieurs défis attendent Bassirou Diomaye Faye. Et en culture, nous parlerons d'El Inched. Le festival se déroule à Constantine. Retour sur la soirée inaugurale avec la troupe Gouba. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, le lancement du recensement général de l'agriculture est enfin dévoilé. L'opération va débuter le 19 mai prochain et se poursuivra jusqu'au 17 juillet 2024. Cette date a été fixée lors de la 5e réunion de la Commission nationale du RGA, présidée par le premier responsable du secteur. Le modèle du questionnaire final de cette opération a été adopté avec la présentation d'un exposé sur l'application dédiée à la saisie des données collectées, rappelant qu'il s'agit du 3e recensement agricole lancé par l'Algérie depuis son indépendance. Il s'agit d'une opération stratégique qui devrait donner une image réelle du secteur agricole. L'objectif principal du recensement agricole est de fournir des statistiques fiables reflétant la réalité du secteur. Ces données précises sont essentielles pour orienter les investissements et les politiques agricoles vers les domaines les plus efficaces. Brahim Djelibia, président de la Chambre d'agriculture de la Wilaya d'Alger. Pour arriver à faire une sécurité alimentaire durable, une opération pilote pour ce recensement général de l'agriculture a démarré pour 6 wilayas. Ce recensement touchera l'ensemble du secteur agricole, la production végétale, la production animale, les moyens de production, les bâtiments, le matériel, le foncier. C'est la 3e opération que vit l'Algérie depuis l'indépendance du recensement. À travers le recensement, des stratégies peuvent être élaborées visant à promouvoir une agriculture durable, à stimuler l'innovation et à renforcer la résilience face aux défis tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire. Laila Boukhalfa, expert en agriculture. Les données de recensement vont nous permettre de mettre en place la nouvelle stratégie de fonctionnement qui est la numérisation. S'il y aura des excédents, c'est qu'il faut réfléchir d'ores et déjà comment les transformer, les stocker ou les exporter afin d'éviter des pertes aux agriculteurs. Le recensement garantit la transparence et facilite l'intégration de la numérisation pour protéger les exploitations agricoles tout en préservant le pouvoir d'achat des citoyens. Les agriculteurs, justement, ils sont appelés à redoubler d'efforts pour éviter toute perturbation du marché. Un appel et des instructions données
par le ministre de l'Agriculture ce matin à partir de Eindhoven, où il effectue une visite de travail. La pomme de terre est le premier produit concerné, les prix commencent à augmenter et le ministre demande aux opérateurs de procéder au déstockage de ce produit de large consommation pour stabiliser donc le marché en cette période de soudure, soit avant l'arrivée de la, sur le marché de la production saisonnière. Et justement, pour veiller au respect des prix promotionnels pratiqués durant ce mois de Ramadan et s'enquérir de la situation au niveau des marchés, le ministre du Commerce est à Tizi Ouzou aujourd'hui. Le compte rendu de notre correspondant Mohamed Haouchine. Au marché de gros de fruits et de légumes Chaben, situé dans la périphérie sud du chef-lieu de Wilaya, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, s'est assuré de la disponibilité des produits et surtout du respect de la mercuriale qui a été dans l'ensemble stabilisée durant ce mois de Ramadan, tout en exigeant des fournisseurs et des agriculteurs venus de plusieurs régions du pays de maintenir leur cadence de ravitaillement vers ce marché de gros, et ce pour boucler tel qu'il se doit cette dernière semaine de Ramadan et faire face ainsi à la forte demande des citoyens à quelques jours de la fête de l'Aïd. C'est dans cette même optique que le ministre du Commerce a visité le marché de proximité installé à l'entrée de la ville déjeuner depuis le début du mois de Ramadan, et ce avant de faire escale dans une grande surface privée dénommée Hyperba, implantée dans l'important centre de loisirs Tamara situé au cœur de la nouvelle ville de Tizi Ouzou. Enfin, en début d'après-midi, le ministre du Commerce devrait clôturer sa tournée avec la visite de la laiterie Passili de Dera Belkhadat, tout cela pour s'assurer de la disponibilité des produits laitiers et surtout du lait pasteurisé en cette période de forte demande. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algéchaîne 3. Et l'Union générale des commerçants et artisans algériens appelle les commerçants et opérateurs économiques à prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des produits de première nécessité à des prix raisonnables. L'Union appelle notamment à baisser les prix des vêtements pour l'Aïd et des produits nécessaires à la confection des gâteaux, soulignant l'importance de mener des campagnes pour sensibiliser les marchands de vêtements à l'importance de la solidarité et de l'entraide entre citoyens. Et en ce mois de Ramadan, autre tradition, celle des circoncisions durant les 10 derniers jours du mois sacré. De nombreuses familles préfèrent circoncire leurs enfants ces jours-ci. D'ailleurs, hier, 400 enfants ont été circoncis à l'hôpital de Sougaras. Les médecins, justement, rappellent un impératif, celui de le faire en milieu sanitaire, nous dit notre correspondant Sadr Bouraoui. La circoncision est considérée acte purement chirurgical et doit être impérativement effectuée par un médecin spécialiste, comme il nous est confirmé par Dr Karmali Mourad, médecin-chef de la chirurgie générale auprès de l'hôpital Karer Septi de Sougaras, qu'on écoute. Une campagne de circoncision a été organisée à notre niveau, où pas moins de 400 enfants vont être circonscrits. La circoncision est un acte chirurgical qui doit être pratiqué dans un milieu hospitalier au niveau d'un bloc opératoire par un médecin spécialiste, soit un chirurgien viscéraliste, un urologue ou un chirurgien pédiatre. Ce qui n'était pas le cas avant, où la circoncision se pratiquait dans des cabinets médicaux ou même à domicile, ce qui entraînait beaucoup de complications, notamment les hémorragies, dont les conséquences étaient vraiment fâcheuses. Maintenant, cette circoncision se pratique pratiquement exclusivement au niveau des milieux hospitaliers. On rappellera enfin que l'opération de circoncision s'étalera tout au long du mois de Ramadan avec tous les moyens humains et matériels mobilisés en la circonstance par les services de ce même établissement hospitalier dans le but de mener à bien et dans de bonnes conditions cette opération de circoncision, opération sanitaire par excellence. De Sougaras, Sadr Bouraoui pour Algéchaîne 3. Santé toujours, l'Algérie qui œuvre à réduire sa, diminuer sa facture d'importation de médicaments. Elle œuvre à augmenter sa production de vaccins. D'ailleurs, le premier vaccin antigrippal fabriqué en Algérie sera disponible dès le mois de juillet. Annonce faite ce matin par le ministre de la Santé lors d'une visite qu'il a effectuée au niveau de l'Institut Pasteur. On écoute Abdelhak Seyhi, il est au micro de Hassan Chemesh.
On veut effectivement, à travers Seidal et les partenaires économiques de notre pays, créer des actions communes avec l'Institut Pasteur pour pouvoir produire les vaccins chez nous. C'est cela la vraie sécurité sanitaire. Nous avons toutes les possibilités et les capacités économiques. Nous avons aussi l'intelligence de l'université. Nous pouvons le faire facilement. D'autant plus qu'aujourd'hui, Seidal est capable de le faire, se propose pour le mois de juillet d'avoir le premier vaccin algérien avec l'Institut Pasteur. Et nous venons de l'apprendre à l'instant, le général d'armée Saïd Chengriha est en visite dans la première région militaire de Blida. Il a tenu une réunion avec les cadres de l'institution. Il a prononcé une allocution qui a été diffusée par visioconférence dans l'ensemble des institutions de l'armée. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Direction Guelma à présent pour parler logement, l'ADL plus précisément. Le Wali a présidé une réunion consacrée à ce dossier. Les assiettes foncières destinées à ce chantier ont été délimitées ainsi que le quota de logement dont bénéficiera la Wilaya. Les détails avec notre correspondant Zohair Douakha. La Wilaya de Guelma bénéficie d'un quota estimé à 2000 logements location-vente en tant que première tranche dans le cadre du programme ADL 3 2024. En effet, la Wali Huria Agoun, qui a supervisé une réunion en début de cette semaine au cours de laquelle les dernières retouches ont été discutées afin de préciser les deux lots immobiliers qui accueilleront ces 2000 logements. Les habitations seront donc réparties sur deux lotissements, l'un au pôle sud chef-lieu, contenant 1500 appartements, et l'autre à la commune de Belkhir Hizar Al-Mengoub, avec 500 domiciles. À signaler que d'autres sites dont les procédures légales de régularisation sont en cours ont été également proposés pour réceptionner ce nouvel agenda de logement. Ce dernier peut comprendre une deuxième partie avec un autre nombre déterminé de logements. De Guelma, Zohair Douakha, Algérien 3. Solidarité algérienne avec le peuple palestinien, nouvelles aides humanitaires, 168 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical et de tentes destinées à la bande de Gaza, sur instruction du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Deux avions des forces aériennes algériennes ont acheminé ces aides. Ils ont atterri hier à l'aéroport d'El Arish. Les aides seront introduites dans la bande de Gaza via le passage de Rafah. Et en Palestine, justement, des milliers de tonnes d'aides humanitaires ou plutôt à Al-Arish, reste bloqué au niveau de l'aéroport égyptien. L'entité sioniste empêche l'acheminement de ces aides vers l'enclave palestinienne. Seuls quelques camions y accèdent alors que les besoins journaliers des habitants sont de plus de 500 camions par jour. Dans son entreprise génocidaire, l'entité sioniste veut exterminer les Palestiniens par tous les moyens, notamment en les privant de toute forme d'aide humanitaire. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, l'armée d'occupation a tué 7 humanitaires de l'organisation World Central Kitchen. On écoute à ce propos Fatena Torabi, journaliste établie à Ramallah. L'en parle à Karima Bennour. L'entité sioniste a tué des étrangers hier avec des tirs de missiles sur leur voiture qui appartient à l'association Dead Kitchen World Central à Deir el-Balaha, au centre de Gaza. Le porte-parole du gouvernement de Gaza dit que l'occupation a tué entre autres un Britannique, un Polonais, un Australien et même leur chauffeur a été tué. Ce crime à Gaza est un message de terreur de la part de l'entité sioniste au monde entier et aux efforts internationaux qui tentent de réduire les souffrance des habitants de la bande, ce qui constitue un autre génocide contre le travail humanitaire et ils veulent terroriser les travailleurs dans les agences internationales pour les empêcher de poursuivre leur travail et en réponse à cet acte, le secrétaire général de l'ONU Guterres a demandé de renforcer le soutien à l'UNRWA. Et à Gaza, ceux qui ont survécu au massacre meurent de faim, les Gazaouis sont affamés, personne n'est épargné, les enfants subissent eux aussi les affres de la faim, des dizaines d'enfants sont morts depuis quelques jours. Une véritable épuration ethnique, assure Ismail Tawabta, porte-parole du gouvernement de Gaza. Il est contacté par Karima Bounour.
Ce crime se poursuit contre les lois humanitaires et les lois internationales. L'entité sioniste continue d'affamer la population, surtout au nord de Gaza et au centre. Le nombre des shuhada augmente, dont les enfants, ils dépassent les 30 martyrs à cause de cette politique. Les enfants ne trouvent pas de lait ni de nourriture, la nourriture dont ils ont besoin, ce qui entraîne une malnutrition chez les enfants. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent les bébés, leur nombre est énorme dans tous les hôpitaux et avec la poursuite des crimes sionistes contre le secteur de la santé, il n'y a pas d'hôpital qui les prend en charge. Et de ce fait, le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition va augmenter de jour en jour. Et le bilan de l'agression sioniste ne fait que s'alourdir. Il approche les 33 000 martyrs et plus de 75 000 blessés depuis le 7 octobre. L'entité sioniste qui veut poursuivre ces massacres loin des médias. La loi dite El Jazeera qui donne au gouvernement de Netanyahou des pouvoirs temporaires pour empêcher les médias d'information étrangers d'opérer en Israël, adoptée par le Parlement de l'entité sioniste. Pour Abdeljalil Dahri, président CRI International, voix des victimes, après avoir tué une centaine de journalistes depuis le début du génocide, l'occupant israélien veut imposer un embargo médiatique sur Gaza. On l'écoute, il répond depuis Genève, Rabea Slimani. D'abord, avant d'évoquer ce sujet de l'interdiction par l'État d'Israël de la présence de Jazeera sur les territoires occupés, il ne faut jamais oublier que Israël a ordonné à cibler aussi les journalistes. Israël, depuis le déclenchement de la guerre contre la population palestinienne à Gaza, a liquidé sous forme de crime d'État l'assassinat de 143 journalistes, et parmi eux, les journalistes de Jazeera. C'est pour cacher ces crimes que l'entité sioniste veut interdire la présence des médias, assure Abdeljalil Dahri. À travers cette interdiction de la présence de Jazeera et des autres chaînes étrangères, l'État d'apartheid veut continuer à commettre ces massacres en silence et de l'absence de l'information. Parce que depuis le 7 octobre, nous sommes devant un génocide en live, un génocide direct, surtout avec la défaite de la propagande, de lobbies, d'informations, des chaînes de mainstream. Géré par des lobbies sionistes comme dans des autres pays arabes, en Émirati Arabie, même au Maroc, où il y a des lobbyistes qui essaient de cacher la vérité, même sous la protection du régime de Marxen, ce régime de collaboration, ce régime complice avec les crimes sionistes. Et l'entité sioniste qui veut également une escalade dans la région, l'ambassade d'Iran en Syrie ciblée par des frappes, le bilan s'est alourdi, 13 personnes ont été tuées, l'Iran promet de riposter et à la demande de la Russie, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra ce soir une session publique au lendemain donc de cette attaque. La diplomatie russe a condamné cette attaque jugée inacceptable, accusant l'armée sioniste d'en être responsable. Ce matin, le ministre iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de la Suisse qui représente les intérêts des États-Unis en Iran où il ne dispose pas d'ambassade. Quelle sera la riposte de l'Iran à cet acte? Élément de réponse avec Bassem Tahan, spécialiste des questions géostratégiques. Il est contacté par Rabea Slimani. Netanyahou veut continuer la guerre pour rester au pouvoir. Par ailleurs, comme l'arc de résistance qui a unifié le Hezbollah, les Houthis du Yémen, le Hashd al-Shaabi en Irak, l'Iran a cherché à créer une force musulmane qui puisse être au service des causes musulmanes et arabes. Quand Israël vise le consulat iranien à Damas, c'est dans le but d'intensifier et d'entraîner l'Iran dans une guerre régionale. L'Iran n'a pas besoin de faire guerre déclarée contre Israël. Et parmi les victimes de cette attaque qui a visé le consulat d'Iran à Damas, 7 gardiens de la révolution, dont le général Mohammad Reza Zahedi. Il était le commandant de la force Al-Quds pour la Syrie, le Liban et la Palestine.
La personne qui a été assassinée dirigeait comme expert toute la modernisation de l'armement en Syrie au Hezbollah. À part son passé de commandant, c'est aussi un ingénieur et un expert d'armement. Alors sûrement l'Iran peut répondre, mais je ne pense pas que l'Iran va déclarer la guerre à Israël. Ça va être coup par coup. Parce que le but justement de Netanyahou, c'est d'entraîner l'Iran et d'entraîner les États-Unis aussi dans cette guerre. C'était Bassam Tahan, spécialiste des questions géostratégiques. Il répondait à Rabea Slimani. On va parler de Sénégal également. C'est aujourd'hui que le nouveau président sénégalais prête serment et plusieurs défis attendent Bassirou Diomaye Faye. On écoute depuis Dakar cet éclairage de Mamadou Kassé, rédacteur en chef du journal Le Soleil. Il est contacté par Rabea Slimani. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui arrive, une équipe de jeunes qui arrive au pouvoir avec la ferme résolution d'amener le Sénégal, en tout cas, à asseoir les conditions de son développement. Les priorités sont nombreuses, défis sécuritaires naturellement. Compte tenu de ce qui s'est passé et compte tenu aussi de l'environnement immédiat du Sénégal, il faut nécessairement gérer cette situation. Mais défi de l'emploi aussi, eu égard aux nombreux jeunes qui sont allés en pirogue pour chercher du travail. Et il y a d'autres défis. Le défi lié à la stabilité institutionnelle du pays. Mais le défi le plus important, c'est la création d'emplois. Et de ce point de vue, je pense que il y a un premier engagement du nouveau président qui pose le problème en termes de développement des métiers agricoles. Un mot de culture avant de clore les pages de cette édition et nous irons à Constantine où le coup d'envoi de la 10e édition du Festival international culturel de l'INCHED a été donné hier et c'est la Tunisie qui l'inaugure brillamment avec la troupe Gouba. Sensationnelle, nous dit notre correspondante à Constantine, Hayat Kerboua. Sensationnel, exceptionnellement beau, beaucoup d'émotions, un voyage spirituel de 2 heures. La soirée d'hier, c'est tout cela et encore plus avec le groupe Gouba de Tunisie qui a inauguré cette 10e édition du Festival international de l'INCHED. Une approche tout à fait différente et innovante où la musique n'est pas un simple habillage, mais c'est elle qui définit le contenu. Écoutons Ahmed Zitoun, il est directeur artistique du groupe Gouba. La musique fait projet Gouba, mais je fais accompagnement, l'inchaid ou l'accompagnement, les lignes mélodiques principales, la musique, pour l'ouahna dima, projet musical ou art musical. L'ensemble tunisien Gouba, qui a ouvert la 10e édition, est un projet qui a pris le temps pour présenter ce premier travail et qui se base d'abord sur la musique avec plusieurs influences, dont une touche algérienne. Ahmed Zitoun, musicien, musicologue et directeur artistique. Background, l'école, avec ma dirasti, hatta la licence, après le ماجستير خلتني نخرج بعد بحث الطريقة المولوية نعم في الغشاخ شمتها على طريقة جزائرية من كرزاز هي طريقة تسمى الكرزازية أو الأحمدية وشفت التقاطعات للانترسكسيون مع بقية الطرق التونسية Forte d'une trentaine de membres, la troupe Gouba de Tunisie a émerveillé le public aussi bien à ses reprises du patrimoine que par ses propres créations. Constantine, Hayat Kerboua, Alger 3. Et c'était la dernière information de cette édition réalisée par Redouane Siassi. Mourad Bensemen était à la technique. Nedjma, la régie d'antenne Ikram au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention. L'info revient à 14h avec Adjel Msaoudi. Mais tout de suite, ou juste après l'appel à la prière, ça sera la météo avec Karima Bnour.